On va commencer ça, break 273, et là, visiblement, ça a décidé que ça marchait pas, parce que, on dirait que ce programme-là, il faut tout le temps que tu gosses après. Voilà. Attends, je vais essayer d'aller me voir. Et voilà. Ok, donc on avait 3 mini à faire avant de pouvoir faire le break. Donc on va commencer tout de suite. Merci à tout le monde. Kimi Desgranges qui est venu sauver la situation en achetant le dernier spot. C'est laborieux celle-là. Hein? Donc juste vous rappeler que ça va être le dernier de la journée parce que c'est la Saint-Valentin. Et on a déjà des soupers et on a déjà des soirées prévues. De toute façon, moi je vais être pas chez moi. Je vais être chez ma copine. Donc après 8h avec le couvre-feu. Allez-vous faire des breaks de baseball? Oui, on va faire des breaks de baseball, mais pas aujourd'hui! Donc, là, à partir de cette semaine, on a des idées. Là, on va probablement faire comme les lundis, ça va être des journées Raz. Telle journée, après ça, on va comme... Telle journée, on va sortir tout le temps un break de baseball, un break de basket, un break de foot. Puis, on va trouver une façon, là, parce qu'on veut... quand même que vous sachiez déjà avant d'arriver sur le site, est-ce qu'il y a un break aujourd'hui, est-ce qu'il y a un break de ça aujourd'hui, est-ce que je vais pouvoir en attendre d'avoir un, puis etc. On veut juste mettre une ligne directrice, que ça soit bien organisé pour tout le monde, pour vous puis pour nous. Fait que, on y va, on va brasser le premier mini, le top 3 win, donc on va brasser ça 10 fois. Donc il y avait 12 spots à 9 et 70, donc 3 breaks et 3 mini avec la même... La même pattern. Les trois. Et on a Simon Poitras, Dominique Bertrand et Tommy Gagnon qui remportent des spots dans le main. Donc, félicitations à Dominique, Tommy et Simon. On s'en va dans le mini numéro 2. Qui était la même chose. Donc, on a rempli ce break-là avec 9 mini. On y va, let's go. Final round, top 3 win. Tommy Gagnon, David Vien et Michael Caron. Félicitations. On va vous placer dans le main. Et on s'en va dans le mini numéro 3. Donc, on y va. Le dernier mini. 8 fois ou 7, 7 fois. 7 fois. Et on y va, let's go! Donc, la journée de la Saint-Valentin, la journée de l'amour, Francis Leblanc, Simon Bédard et Tommy Gagnon. Donc Tommy qui a grindé les mini parce qu'il voulait que ça close. Donc il a fini par être gagnant. Hein? Donc il a gagné 3 spots dans le mini. 28 fois, donc on a 28 spots ici pour le main. Le break hockey 273, on va brasser celle-là et là c'est rendu. Quand on va regarder, ça va être les qui les teams. Begin the giveaway. Bonne chance à tous. J'espère que vous avez les équipes que vous voulez. Je sais pas si vous avez de quoi de privé avec votre blonde ce soir. Mathieu Marceau, les Bruins, des Sabres, Luc Gagnon, William Goulet, les Hurricanes, les Blackhawks, à Guillaume Lapointe, Tommy Gagnon, l'Avalanche, Dominique Bertrand, les Blue Jackets, Dallas, à Rock, La Flamme, Jean-Guy Perron se retrouve avec Détroit, Edmonton, David Vien, La Floride, classique, Tommy Gagnon, les Kings, à Luc Gagnon, Michael Caron, les Canadiens, gros team en 18-19, ça, en passant. Ensuite, on a les Prédateurs avec Joey Franchellini, Kimi Desgranges qui se retrouve avec les Devils, et Islanders à Tanny Brisebois, Francis Leblanc avec les Rangers. Ça peut être bon là, dans la série 1 qu'on va ouvrir. Christian Laberge, les Sénateurs, les Flyers. À Dave Laroche, Tommy Gagnon, les Pingouins, les Blues, et David Vien, Tampa Bay Lightning, à Joe Gingras. L'ami de Phil Bernier, Serge Gagnon, les Leafs, Vancouver, Simon Bédard, donc Elias Peterson, peut-être Washington, Tommy Gagnon, Golden Knights, Steve Cormier, Isabelle Sang, qui se trouve avec San Jose Calgary, Wild Ducks, David Vien, Simon Poitras, Coyote Jets. Et on s'en va au live scene. Fiez-vous pas au défilement, il n'est pas bon. Je vais le changer immédiatement. Et voilà.
Donc maintenant, ça devrait être les bons noms. Vous devriez les voir. Et c'est ça. Donc ça, c'est nos boîtes qu'on va ouvrir aujourd'hui. Normalement, ça aurait été un autre break, là, j'imagine. Mais c'est juste que là, on avait le temps d'en faire juste un aujourd'hui. Puis ça, c'est celui d'hier qui a pas été closé. Fait que le break qu'on fait, petite série 1, 20-21. Ensuite, une petite ice et on finit avec la Ingrain. Donc, on va les placer ici. Et on va commencer avec la série 1. Je souhaite bonne chance à tout le monde. Bref, passez une belle journée. Il fait beau. Il fait plus chaud que. Il faisait pas chaud cette semaine, hein, quand même. Mais là, il fait chaud. Il fait plus chaud. Pas chaud, mais il fait plus chaud. On s'entend. Là, moi, après ça, il faut que j'aille à l'épicerie. Parce que j'ai promis à ma blonde qu'on allait manger de la fondue. Tu sais, la fondue, là, c'est le repas quand tu veux, genre, être classe. Manger de quoi de... Pas juste faire comme, oh, je vais te faire des. C'était comme un souper rapide, mais qui passe toujours bien. Qui est pas un souper cheap, mais non. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est comme un repas. Pourtant, hein, coûte pas grand-chose, hein, mais. La fondue. La viande, puis les légumes. Qu'est-ce que vous accompagnez avec votre fondue? Si vous avez des idées là, géniales, vous pouvez m'en parler parce que je suis tout le temps à la recherche de nouvelles idées quand je me fais à manger. Et pour ceux qui se posent la question, oui, je porte encore le même chandail qu'hier. Parce que quand je suis venu faire mon break, j'avais pris ma douche, j'ai mis un hoodie et j'aime bien ce hoodie, des patates entières en conserve dans le bouillon. Effectivement, ça aussi j'aime bien ça, des patates parisiennes avec. Voilà. Dans la fondue, c'est excellent. J'adore ça. C'est un bon choix ça. Mon poitras. J'adore ça. Excusez pour le petit bruit. Et on y va. Bonne chance à tous. Let's go. On veut une jeune loup, là. On veut une boîte spéciale. On veut pas juste la Lafrenière, on veut genre, le shit au complet, là. Jack Eichel, UD Portrait, Buffalo. C'est Luc Gagnon qui a le premier insert. Et on a une debut date ici de Noah Dobson pour les Islanders de New York. Félicitations à Tanny Brisebois. Base, et les cartes qu'on a un petit peu encore. Et on a une clear cut! Et je vous l'avais dit, j'en voulais une belle. On a une clear cut de Shea Weber. Le gros Shea, capitaine du Canadien de Montréal. Michael Coron, t'as la petite. Tu commences avec une clear cut de Shea. Beau petit hit, ça. Monsieur Weber. Futur Hall of Famer. Je pourrais pas me faire dire l'inverse. Il s'en va au Hall of Fame, c'est sûr, à 100%. Yes, sir. Il reste c'est des bases. Mr. Shea! Mr. Shea! Weber! Weber! Et il y a quelqu'un hier qui m'a rappelé que j'avais dit au début, avant la séance, j'avais dit, tu sais, Joe Anderson, Max Domi, je suis pas certain. Parce que je pense que Domi va toujours faire plus de points. Je le pense encore. Pas parce que je préfère Max Domi. Max Domi, c'est un tonne de marde. Mais je pense qu'il va toujours faire 50. Il va toujours souvent faire 40-50 points. Steady. Tout le temps. Puis même des. Mais. C'est un tonne de marde. Nick Robertson, Toronto! Nice! Toronto, Nick Robertson, Serge Gagnon. Donc, Robertson, c'est une des Young Guns qu'on veut retrouver dans la. Là, Kimi Desgranges qui dit qu'il est négatif, fait que là, ça va bien aller. Ben, je te souhaite, Kimi, que tout se passe bien pareil. Donc, t'as les Devils. Tu pourrais peut-être aller chercher dans la Ingrain une petite Martin Brodeur. On sait jamais. Moi, j'ai juste du positif, là. C'est toi qui as closé le break, fait que grâce à toi, on est en train de le faire. Donc, Ricky, Ricard, Raquel pour Dazzler pour les Ducks d'Anaheim. Ducks d'Anaheim qui sont.
à notre ami David Vien, qu'on salue. Et là, on est dans le jour, fait que peut-être que tes gars écoutent, fait que je leur salue pour vrai. J'espère, parce que là, ça fait 4 fois salut, puis je sais pas si à chaque fois, s'ils m'entendent ou pas. Il y en a Nathan McKinnon, World Wild, pour le Colorado. Tommy Gagnon, qu'on remercie encore de sa participation. Et on a trouvé une seule Young Gun jusqu'à présent, c'est celle de Nick Robertson. On a aussi trouvé la Shea Weber Clear Cut là, sur le podium. Oh, on espère avoir une jeune loup. J'aimerais ça avoir une Clear Cut ou une Eye Gloss. Juste une Eye Gloss de n'importe quel Young Gun, j'en ai jamais eu encore. Étonnamment, j'en ai jamais eu. On a une petite Young Gun ici de Vitek Vanecek pour les Capitals de Washington. Et ça s'en va Tommy Gagnon. Ça va aller sur le podium parce que c'est une Young Gun. Et les Young Guns, c'est ça qu'on veut dans les 2021. Toutes dans les séries en fait. Et là, j'ai vraiment hâte que la série 2 sorte. J'ai vraiment très 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 hâte. James Henry Bzike ici pour les Flyers de Philadelphie. Merci à Dave Laroche. Encore une fois pour ta participation. Et une rookie rétrospective pour Montréal, Nick Suzuki. Donc, Nick là, il est parfait. Il est parfait. La seule affaire, je pense que le seul point qu'il a amélioré là, dans son jeu, c'est au niveau des cercles des mises au jeu. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de difficultés. Ça n'a pas été le pire hier. Hier, le pire là, de toutes les équipes, ça a été Austin Matthews. Avec comme 13% d'efficacité. Mais Nick, il se tient pas mal en bas de 45 tout le temps. Là. Mais sinon, ça reste. Je vois pas de défaut à ce gars-là. Là. André Vasilevski pour Canvas. Joe Gingras, qu'on salue. S'il nous regarde. On dit bonjour à notre troisième Young Gun. C'est une Canucks, Michael Di Pietro. En couvert, donc lui, il y a peut-être une carte cachée là, éventuellement. Je sais pas si vous voyez à quel point ça va mal à Vancouver. Il va peut-être venir à la rescousse avant, plus vite, plus. Comment on dit ça? Avant que tard, plus avant que. En tout cas, bref, il va venir plus vite qu'on pense, j'ai l'impression. Parce que à Vancouver, ça va pas bien dans les buts, mettons. Et on a une John Carlson UD Portrait. Washington à CD Base. On est rendu à la moitié du paquet. On a 3 Young Guns de trouver. Donc la moyenne est. La logique est respectée. Il y en avait une variante ici de Blake Lizotte. Donc à sa deuxième année, Blake Lizotte, variante française. Premier hit pour les Kings, Luc Gagnon. Le quatrième Young Gun et c'est Victor Sjöström. Donc là, à date, cette boîte-là, je l'aime. C'est un de mes sets que je préfère parce que Sjöström, ça reste quand même un jeune prospect avec un potentiel élevé. Là. Simon Poitras, c'est Sjöström. Va devenir éventuellement un bon défenseur dans la Ligue nationale. Une Nick Robertson et une Di Pietro. Moi, je suis bien satisfait de tout ça. Fait que là, on va la laisser de côté. Parce que là, moi, j'aime bien chier en plein milieu. Une petite checklist. On avait une canvas de Matt Duchene pour Nashville. Et en dessous, on a des cartes collées qui sont des bases. La checklist. Carte collée et des bases. Il nous reste 9 paquets à ouvrir de série 1, 2021. Oh, ce paquet-là n'est pas ouvert. Donc, JP Petit qui dit qu'il n'a pas été chanceux avec les mini. Ça arrive parfois. Mais c'est sûr que ça arrive plus souvent. C'est quand on pense à ça, s'il y a 12 places, t'as un spot, ben t'as quand même plus de chances de pas être chanceux que d'être chanceux.
Whirlwind Lightning, Whirlwind Nikita Kucherov, la Russie. Mais bon, des fois ça arrive que c'est payant-payant, des fois ça arrive que on a mis notre argent à l'eau. Fait partie de la game. C'était début avec Nick Suzuki. Donc, Félix Noiseux qui demande s'il y a un autre break après. Malheureusement, non, c'est le seul de la journée pour aujourd'hui. Ensuite, on a une petite prédominante de Tyler Bertuzzi pour les Red Wings de Détroit. Le reste, ce sont que des baisses. Donc, les Raz, c'est Gilbert, pour répondre à ta question, c'est quoi un Raz? C'est par exemple, on met une carte. Comme nous, on a déjà fait un Raz avec une Nick Suzuki. PSA 10, gradé 10. Donc, il y avait. À ce moment-là, elle valait 350$. Fait qu'on avait Razé à 350$. Fait que là, tout le monde participait. Tout le monde participait. Oh, on a un petit Tyler Benson ici, Young Gun. Et dans le fond, il y avait 35 spots à 10$ et le premier remporte la. En fond, c'est un tirage. C'est ça un Raz. C'est un tirage d'une carte ou d'un lot, ou peu importe. Comme un chandail de joueur signé, par exemple, aussi. Donc, c'est ça un Raz. Tyler Benson pour Edmonton, David Vian. Donc, on est rendu à 5 Young Guns. Il nous en manquerait seulement une. Oh, ça c'est quand même très rare là. Dominique Hašek, Puck Drop Global Series. Donc Dominique Hašek. Ça veut dire que je vais devoir faire un tirage. Probablement avec les équipes de Dominique Hašek, malgré que si je me fie à la dernière, ça serait Détroit. Donc, je vais regarder ce qu'on va faire avec ça, mais on a quand même une Ceremonial Puck Drop, ce qui est vraiment très, 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 très rare, là, honnêtement. Là. Donc, je vais la changer ici. Donc, on y va. J'avais dit, ça va être une boîte spéciale. Une petite Patrice Bergeron. Goody Parkwright et le reste, ce sont que des bases plus une checklist en dessous. Il nous manque une Young Gun. Une seule Young Gun. On a une petite Elias Pettersson, Goody Parkwright pour Vancouver. Et ensuite, on s'en va vers la fin. On va avoir une canvas de roman. On va avoir une canvas là, du gars des Columbus. Seth Jones, Columbus, je le reconnais même quand je vois juste un petit morceau d'image. Oui, il pourrait avoir du Carter Hart dans les deux boîtes, Dave. Et notre dernière Young Gun, c'est une Connor Ingram Young Gun pour les Prédateurs de Nashville. Le reste, ce sont que des bases. Je suis quand même satisfait de cette boîte-là, honnêtement. Une clear cut de chez Weber. On a une drop puck cérémoniale qui est super rare à avoir. Nous, on essaie de Dominique Hašek, ce qui est quand même extraordinaire. La Nick Robertson, la DiPietro, la Soderstrom. J'aime bien, j'aime bien. Je suis bien content de la boîte qu'on a eue. On s'en va ouvrir la Ice maintenant à la 18-19. Qu'il pourrait y avoir du Carter Hart. Effectivement. Il pourrait y avoir du Kotkaniemi. Il pourrait y avoir
pourrait aussi y avoir du Dalin. Il pourrait y avoir du Vejnikov. Mais l'ice, là, c'est aussi, aussi un coup de... Ça peut être un coup de circuit. Ça peut être un coup d'épée dans l'eau. Ça. En fait, c'est pas mal ça pour tous les paquets de cartes, on s'entend. Là. Et là, malheureusement, le paquet qui s'ouvre croche. Et on y va avec... On va commencer. Il va y avoir une première hein, là-dedans. Donc, une Eric Stahl ici. Variation verte pour le Wild. Et on a une petite... Oh, l'Amico. Donc, Ice Premier pour la Floride. La 1039e sur 1299. Pour la Floride. Ensuite... On va avoir un morceau de jersey dans celle-là, donc la Ice Premier Jersey. Mais d'abord, on a la Sébastien Aho, variation verte. Et on a une signature, oh shit, et en dessous, on va avoir notre jersey. Donc on a une signature sur 299 pour les Kings de Los Angeles, la 156e, la Ice Premier Autographe, Jarrett Anderson Dolan, pour Luc Gagnon. Donc Luc, lui, qui s'est inscrit dans le break hier soir, donc il attendait depuis hier soir. Ça va à toi, la première signature. Félicitations, mon ami. Et on va la placer sur le podium. On va la placer ici. Tiens. On va même rapprocher ça. Regardez, ça va le rapprocher là, pour qu'on puisse le voir. En dessous, on va avoir une petite base. Et en dessous, on a une petite jumbo patch. Là. Une jumbo relic Jordan Kyrou sur 199 exemplaires. Nice. Pour Saint-Louis, David vient. Excusez. Let's go. Found. Facilement. Et voilà. Et on pourrait la mettre. On pourrait la mettre sur le board. On va la mettre sur le board. On va la mettre sur le board à la place de Nick. Hein. Et voilà. Ensuite, on va avoir une petite Eggman Larson verte. Decoy. Et en dessous, je pense qu'on va avoir une petite Sub-Zero. En dessous des bases. La Sub-Zero de Nikita Kucherov. Sub-Zero pour Tampa Bay. Joe Gingras, qu'on salue, qu'on remercie. Et on va avoir un autre morceau de jersey là maintenant. On a un petit jersey, ça j'aime bien ça. Ouf, et c'est pas juste un petit jersey, j'ai semi-vu qu'est-ce qu'on allait avoir. Une Victor Hedman Green. Et là, va falloir probablement. Oh man, j'ai hâte de voir qu'est-ce que c'est. Je vais partir même la toune pour être certain. On a un Frozen Foursome avec Carey Price, Corey Crawford, Henrik Lundqvist, Marc-André Fleury. C'est malheureusement pas numéroté, mais je vais devoir faire un random entre ces 4 équipes et ces 4 gardiens. Qui... Il y en a un seul là-dedans qui n'a pas gagné la coupe cette année encore. Non, il y en a deux. La moitié-moitié. Donc, Corey Crawford l'a déjà gagné. Fleury aussi. Lundqvist non. Et Carey Price, pas encore. Et ça, on va faire tirer ça. On va faire tirer ça après le break. Hein, on va mettre ça sur le board. Commencer. Donc, Carey Price, Fleury avec Vegas. Fleury avec Vegas, et pourtant, c'est du morceau rouge comme morceau. Donc, voilà. Donc une petite Brand Marchand verte. Et une Colin Delia, gardien pour les Blackhawks sur 1299, la 187e. Et dernier paquet avant qu'on passe à la Angreen. Et on va avoir une autre première.
Patrick Laine, verte. Et la première. C'est une Noah Jolson, la 50e sur 499 pour le Canadien de Montréal, Michael Caron. Donc, c'est à toi ça. Belle carte. Je vais me faire de la place pour être bien en selle avec la Ingrain. On a quand même été gâté dans cette boîte-là avec deux morceaux, deux cartes avec des jerseys, dont une Jumbo Rookie Relic et une signature première. On aime ça. La boîte est un peu lourde, hein? Donc on va avoir des grosses cartes lourdes, c'est vraiment le fun. Donc on y va. Bonne chance à tous. Dernière boîte, la boîte des derniers espoirs. La Ingrain ici. Et Kimi qui aimerait avoir du brodeur. On lui souhaite du brodeur. Que le brodeur va se pointer le bout de la face, peut-être, on espère. Ok, donc là on va avoir deux remnants, probablement une signature pack. On a 1, 2, 3, 4, 5, on en a 6 cartes. 6 cartes, donc c'est le chiffre habituel. On va aller voir notre première carte qui est notre carte base. C'est une Steve Yzerman. En plus elle est quand même assez clean, à part le edge en bas à droite. La 102e sur 299 pour les Red Wings, Jean-Guy Perron. Nice carte ici, belle carte. Et là, juste rappeler que pour la Dominique Hachek, je vais aller m'informer avant. Donc, si vous avez Buffalo, parce qu'il a joué à Buffalo et joué à Détroit. Fait que je vais m'informer à savoir est-ce que c'est avec la dernière équipe avec qui il a joué ou faut que je fasse un random. Puis je vais vous revenir avec ça. Donc, je ne ferai pas le random aujourd'hui pour ne pas faire d'erreur. On va y voir notre premier rookie. Et notre rookie, c'est une Casey Middlestat pour. Les sables de Buffalo, c'en est pas un mauvais, ça. La rookie base Ingrain 151 sur 299 pour les sabres. Les sabres qui appartiennent à qui? Luc Gagnon. Belle carte. Casey Middlestad. On va dans tout. C'est une synthèse. Pour les Flyers de Philadelphie, lui qui est sur le protocole du COVID en ce moment, Claude Giroux, le franco-ontarien. Dave Laroche, The Rock, it's yours. Finally, The Rock is come back to St. Louis. On va aller checker notre première remnant. Notre remnant s'en va à Edmonton et c'est une Kevin Lowe. La 21e sur 100 avec un morceau de Sherwood. Regardez comment elle est belle. Puis en plus, le morceau de bois, en étant en 3 dimensions, je n'y toucherai pas. Là, mais je pourrais enlever des petites fibres. C'est une super belle carte, ça, la Remnant. Wow! Nice! C'est une belle carte. Je vais mettre une chanson, mais il est comme trop tard pour la mettre après qu'on ait vu le hit 18 secondes plus tard. Donc, ça va dans du 180. Ici. On va aller voir notre autre remnant. Et c'est une Brian Trottier sur 100, la 43e. Un autre gros morceau de Sherwood, Islanders de New York, Danny Brisebois, la 43e pour Brian Trottier. Nice. Et là, il nous reste une signature shot. Qui ça peut bien être? Qui ça peut bien être qui pourrait venir sauver les meubles de certains qui en ce moment désespèrent? Est-ce que ça va être à eux? Donc, vous voyez, là, c'est pas une signature shot rookie. Ça va être une légende. Ouh,
Ouf, et c'est une Daniel Sedin pour Vancouver! Simon Bédard! Avec une signature étrange, hein? C'est pas la. C'est quoi? C'est un signe? Il faisait. Tabarnak! Mais quelle belle carte! 46 sur 50, Daniel Sedin! L'un des deux frères jumeaux, l'allié gauche! Donc là. 46 sur 50 seulement exemplaires, là. Simon Bédard, t'as un petit bijou que t'en es chez vous, la signature shot sur 50 seulement de monsieur Daniel Sedin, le frère de l'autre. Et c'est ce qui met fin à notre break. Et là, si on regarde notamment ce qu'on a eu, la Frozen Foursome qu'on va aller faire tirer à l'instant, la Dominique Hachek Ceremonial Puck Drop, c'est très très rare. Et ça aussi, je vais m'informer juste avant pour le donner. Soit des trois, ça à Buffalo. Et on a une petite Jared Anderson Dolin ici. La 156e sur 299 Ice Premier Signature. On avait aussi d'ailleurs la Jumbo Relic 156 sur 199 de Jordan Kyrou. Et on passera pas sous silence la clear cut de Shea Weber, capitaine de Montréal, Nick Robertson, Young Gun, Michael DiPietro, Connor Ingram, Tyler Benson, Victor Celestrom, Vita Vinacek, la base de Steve Eiserman, la base de Metal Stat Rookie, la Synthesis base de Monsieur Giroux, la remnant de Brian Tautier, la remnant de Kevin Lowe, et bien sûr, pour moi le gros hit, la magnifique carte de Vancouver. Daniel Sedin, signature shot. Et là, on s'en va au giveaway. On va en faire un entre les quatre gars. Et je vais aller au random. Donc, les quatre gars étant... Les quatre gars étant, ça sera pas bien long. Frozen Foursome. Break 273. Price. On va marquer Montréal. Crawford. Une visque et Fleury qui va l'emporter. Hey, merci beaucoup à toi Dave Laroche d'avoir été là. C'est moi qui te remercie. Je te souhaite une belle journée, une belle soirée. 11 fois on y va. Mais probablement qu'être célibataire ce soir, j'aurais fait des breaks. Mais là, je dois célébrer l'amour. C'est la Saint-Valentin. Et c'est Carey Price, Montréal, ma ville Marie, Montréal qui appartient à Michael Caron. Ça s'en va chez vous, mon ami. Et on se revoit bientôt, les gars. Puis demain, on sort des breaks, puis on va vous en sortir des beaux, là. On va vous en sortir des beaux, gros.